Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 19 octobre 2019. Fomi Armstrong, Sanda, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, we give you the emotions of the family of Florence Ayafo, recently murdered in the northwest region of Cameroon. They say they want justice for their sister mother. They were speaking to Northwest Regional Governor Adolphe Lelé-Lafrique, and still in the Northwest region, the governor has commissioned into office the senior division officer from Ngokutunja in Dob and Bui in Kumbu, chief town of the Bui division. In Kumbu, he says the new duo is the son of the soil and equally has the capacity to bring back peace once again to the Bui division paralyzed by the worsening Anglophone crisis. L'extrême nord secoué par des graves inondations meurtrières, trois personnes ont péri hier dans le maillot d'Anaï à la suite des pluies diluviennes. Le choc de l'État vient donner le déblocage d'une somme d'un million de francs CFA pour les sinistrés ainsi qu'autres déplacés. On fait le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la région de l'extrême nord frappée par de graves inondations. Plusieurs départements sont touchés, les dégâts sont énormes. Hier, à Mbundungu, dans le maillot d'Anaï, trois personnes sont mortes à la suite des pluies diluviennes. Au regard de l'ampleur des dégâts, Paul Biya ordonne le déblocage d'une somme d'1 500 000 francs CFA pour les sinistrés. Le ministre Paul Atangandi s'est rendu sur le terrain pour évaluer la situation. Le reportage de Guizogo et Elisabeth de retour de l'extrême nord. Une fois de plus, la région de l'extrême nord est en proie aux inondations qui sévissent depuis pratiquement 2 mois. Voici la retenue d'eau de Maga avec son lac où les eaux se sont déchaînées depuis 2 mois ici dans l'extrême nord, avec donc la digue qui n'a pas pu supporter cette furie des éléments. Il pleut abondamment, même, parfois avec 3 prestations, absolument. Matin, midi, soir, comme à Douala. C'est rare, c'est depuis 40 ans, 61 ans, pour les fins observateurs l'ont indiqué. Voilà. Donc depuis 40 ans, 61 ans. Depuis 61 ans, il n'a pas plu comme cet an. On n'a pas plu. Donc la digue, elle n'était pas très, très inefficace, mais c'est compte tenu de ces situations. La pression des eaux. Depuis 61 ans, il n'a pas plu comme ça. Ce sont 35 000 personnes en moyenne qui sont impactées par ces inondations. Cela principalement dans 2 départements. D'abord dans le maillot d'Anaï avec Maga et Kaikai. Et ensuite dans le Logon et Chari, dans la ville de Zina. Ces 2 dernières localités sont inaccessibles sauf par hélicoptère à l'heure qu'il est. Nous avons perdu beaucoup de matériel, les infrastructures, tout. Il y a eu des inondations, l'eau a inondé les maisons, il y a eu des maisons qui ont été détruites, il y a des pertes de bêtes, et non seulement ça, il y a des gens qui ont perdu également beaucoup de fortune. Tel que l'argent, je veux dire. Ici, on ne garde pas beaucoup l'argent dans les banques. Non, le plus souvent, nous les gardons à la maison, et quand il y a des destructions de maisons, parfois on perd où nous avons gardé nos argent. Vous n'arrivez pas à dormir et les bétail vraiment qui sont en train de mourir comme ça sans savoir. Bon, maintenant qu'ils attendent vraiment que si le gouvernement mette vraiment que des choses en réalité. Le ministre de l'administration territoriale s'est donc rendu à Maga pour mesurer l'ampleur de ces dégâts. Il y a une digue qui a lâché, une digue longue de 50 km qui a lâché. Et il faut comprendre qu'il y a eu de fortes pluies. On peut parler du changement climatique parce que généralement, au 15 septembre, il n'y a plus de pluie ici. L'aide du président de la République a été mobilisée pour être acheminée aux populations pour pouvoir faire face à cette inondation qui effectivement ont causé pas mal de dégâts ici, dans l'extrême nord.
nous allons distribuer le don du chef d'État, le don du couple présidentiel aux sinistrés. Et nous leur disons de faire confiance au gouvernement. Et c'est la preuve qu'à chaque fois, quand les populations sont sinistrées, le chef de l'État agit promptement. L'aide est la bienvenue. C'est ce que nous attendons le plus souvent. Mais ce qui nous perturbe le plus souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne perçoivent pas cette aide. Et quand l'aide est venue, il y a la population qui attend cette aide et parfois ça ne parvient pas à tout le monde. La dernière grosse inondation qui a frappé la région de l'extrême nord date de 2012, au point où Paul Biya s'était déplacé dans la zone sinistrée de Guirvidik. Il est question aujourd'hui de remettre sur pied la digue endommagée. Il est question de réparer ou de réhabiliter. Réhabiliter ce tronçon-ci, mais il y a un tronçon plus criard de 20 km là-bas qui a lâché, qu'il faut entièrement couper. Depuis Maga, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guizogo. Autre actualité au cœur de ce journal, le gouvernement rompt le silence. Plusieurs semaines après le meurtre de Florence Ayafo, la gardienne de prison, dont le corps a été décapité dans la région du Nord-Ouest, le gouverneur s'est rendu dans sa famille pour reconforter ses proches et transmettre le message de condoléances du chef de l'État Paul Biya. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Idi. Une photo de Florence Ayafo à l'entrée du domicile familial. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, fait son entrée. Il est accueilli par les membres de la famille. Les enfants de la gardienne de prison, froidement assassinée et décapitée il y a quelques semaines, sont tous présents, des plus âgés aux plus jeunes. Le gouverneur n'hésite pas à prendre la plus petite dans ses bras. Je suis venu vous apporter le soutien du président de la République après l'assassinat brutal de votre mère par des terroristes. Il m'a chargé de vous dire que toute la nation est avec vous pour vous remonter le moral. Après ce que l'on a vu comme vidéo circuler sur les réseaux sociaux, ce que le gouvernement condamne fermement. Les investigations sont en cours pour retrouver les assassins. Le gouvernement a voulu vous soutenir en cette période délicate. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes de tout cœur avec vous. Après le message de reconfort, Adolphe Lélé Lafrique a remis une enveloppe aux membres de la famille de Florence Ayafo. La fille de la défunte, Malonelli Asongo, ne demande qu'une chose, que justice soit faite et que les assassins de sa mère soient arrêtés. Je veux la justice pour la mort de ma mère. C'est ce que moi je veux. Donc, quand on retrouve ceux qui l'ont tué, pour mes petits soeurs, moi je veux seulement que le gouvernement nous aide à sponsor us to school and all this stuff. I want them to sponsor us to the greatest level. I don't know how they'll do it, but I just wish I can do it. That's my greatest desire, to see them go to school. Florence Ayafo a été assassinée le 30 septembre dernier à Pigny, dans le département de la Mézam. Le meurtre et la décapitation de cette mère de quatre enfants continuent de choquer l'opinion publique au Cameroun. Et la vague des installations des préfets récemment nommés se poursuit dans le département du Buis, région du Nord-Ouest Cameroun. Plusieurs personnalités étaient absentes lors de l'installation du nouveau préfet à la place des fêtes de Kumbo. Henri Langui Ngwani dit avoir pris la mesure des défis qui l'attendent. Stella Mbou, Xavier Foucault. C'est sur une place des fêtes de Kumbo quasiment vide et devant une tribune à moitié occupée et exclusivement par des autorités administratives et militaires, que se déroule la cérémonie d'installation du tout nouveau préfet du département du Mbui, dans le Nord-Ouest. Le nouveau chef de terre, Harila Nui Ngwani,
mesure la portée du travail qui lui incombe désormais. Pour moi, ce n'est pas une promotion. C'est juste un appel à conduire une nouvelle mission. Une mission qui est délicate et qui est exaltante. Et de ça, c'est dans ce cadre que moi, j'ai dit il faudra conduire le processus de réconciliation dans le département du Bouy, qui devrait pouvoir, dans les jours et les mois et les années à venir, conduire à un développement soutenable, un développement durable. Pour y parvenir, le préfet lance un appel à toutes les composantes sociales du département dont il a désormais la charge. Je voudrais implorer les hommes politiques, les autorités traditionnelles, la société civile, les autorités religieuses et pourquoi pas l'homme de la rue de nous accompagner dans ce processus de construction de ce grand département. Le gouverneur Adolphe Lélie Lafrique, qui présidait la cérémonie, lui a également donné quelques recommandations. Le retour des personnes déplacées, la réconciliation des fils du Bouy entre elles-mêmes, avec leurs institutions traditionnelles, avec l'État, pour mener à bien cette mission. Ils doivent pour cela compter, bien évidemment, sur le soutien de la hiérarchie qui lui est acquis d'office, de ses frères et sœurs du Bouy, dont il a la responsabilité historique aujourd'hui, de conduire vers un avenir meilleur. Une fois cette étape d'installation passée, l'on n'attend plus que le maçon au pied du mur. Évoquons à présent cette colère des populations riveraines de Kolngwe à Sambelima, dont la région du Sud Cameroun. Elle s'indigne contre le processus de dynamisation après la destruction de leur plantation. Une opération de dégarpissement avait été initiée en vue de l'installation du quartier administratif du Jaé Lobo et l'université inter-état Cameroun-Congo. Le reportage de Gizogo et Charles Melingue. L'université inter-état Cameroun-Congo à Sambelima pourrait connaître de mauvais jours. La colère des habitants de Kolngwet, un quartier du chef-lieu du département du Jaé Lobo, porte sur la destruction de leurs champs entre 1983 et 1984 pour y construire un quartier administratif dont l'université inter-état sans qu'il n'ait jamais été indemnisé. Nos parents, nos grands-pères sont arrivés ici. Considérés comme des lépreux, ils ont été envoyés vers cette zone où nous appelons aujourd'hui un Kolngwet. Mais avant, c'était la léproserie, une zone où n'importe qui ne venait pas. Et c'est comme ça que, par l'effort de ces lépreux, ils ont créé des champs de cacaoyères. Et à un moment donné, nous connaissons que le terrain revient à l'État. L'État est donc venu un matin solliciter toute la zone où se trouvait leur plantation cacaoyère et leur maison, soi-disant avec des preuves qu'ils choisissaient que ça devienne un terrain de l'État, un terrain en cadre administratif. J'ai commencé à travailler ici en 1951. J'ai creusé une plantation en commençant par ici. Et cette plantation-là arrivait le ruisseau qui est au Kanchila. Oui. Et puis, l'ancien préfet Bisek Bikon Raphaël, il dit que ce quartier sera un quartier administratif. À ce jour, toutes les démarches, comme l'attestent cette abondante correspondance et même un procès verbal d'évaluation des plantes détruites à indemniser, n'ont rien donné. Le gouvernement a détruit les plantations. Ses parents ont supporté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont tout fait. Ils ont, avec des preuves à l'appui, nous les avons, pour entrer en possession ne serait-ce de ce qu'ils ont subi. Parce que c'est avec cela, vous connaissez un lépreux, il pouvait au moins se remplir les besoins de la famille. Nous avons tout fait, je vous dis, avec des preuves, les voici que nous avons en main. Mais nous n'avons pas eu de suite favorable. Selon les habitants de Kolngwet, curieusement, ce sont les derniers occupants du terrain qui ont tiré profit de son exploitation. Quand on décide de venir maintenant faire la construction de l'université inter-état, ce terrain, depuis des années, le gouvernement avait interdit toute construction. Alors quelques gens avaient fait des petits champs de manioc, des petits champs de maïs. Et ces gens qui sont venus ont payé presque soit 2 millions, presque 3 millions
par rapport aux champs de maïs et manioc qu'ils ont trouvé sur place. Or, ce ne sont pas ces petits champs de maïs et manioc qui étaient là. J'ai dit, là avant étaient des plantations cacaoyères. Les populations de Nkolnget se disent par conséquent déterminées à rentrer en possession de leur dû, quitte à obstruer le fonctionnement de l'université inter-État. Aujourd'hui, nous avons un message et nous sommes déterminés sur ça. Si ces papas ne sont pas payés, cette université n'aura pas de succès parce que nous n'allons pas permettre que l'école commence là. Nos cultures sont détruites, on n'a pas quelque chose. Les indemnisations n'ont pas passé par nos mains. C'est ça que nous prions à Monsieur le Président et à toutes les autorités que voyez nos états. D'après les éléments qui ressortent des démarches des populations, il apparaît que les autorités administratives et les élites du Djaïlobo sont toutes informées de cette affaire. En politique, alors que les élus locaux de l'Union des populations du Cameroun dénoncent le jeu trouble des pouvoirs publics sur le fonctionnement de l'UPC, l'honorable Robert Bapoualipot, député UPC à l'Assemblée nationale, dénonce plutôt ce qu'il considère comme ingérence des États et organismes internationaux dans les affaires du Cameroun. Au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé, le député UPC appelle les Camerounais à un sursaut patriotique et à défendre leur souveraineté. Bapoualipot invite également les pays voisins du Cameroun à faire preuve de vigilance car selon lui, déstabilisation projetée chez du Cameroun cache également une déstabilisation de la sous-région Afrique centrale. Nous l'écoutons. L'Union des populations du Cameroun, par ma voix, tient à partager avec vous son indignation totale face à la détermination des grandes puissances et institutions internationales à déstabiliser le Cameroun. Les pays voisins du Cameroun doivent comprendre que c'est un plan de déstabilisation de toute l'Afrique centrale qui est en marche pour créer une nouvelle route du pétrole, un empire d'exploitation des ressources naturelles de nos sous-sols et, dans la même perspective, transformer la population de nos pays respectifs en de simples spectateurs du haut de son statut de sentinelle de la souveraineté du Cameroun et de son peuple. L'Union des populations du Cameroun est venue opposer à ces girouettes, adeptes des jongleries machiavéliques, opposées aux commerçants de la guerre et à leurs sous-traitants locaux, la vertu de la vérité. Il y a péril sur l'éducation dans le département de la Haute-Sanaga. Élèves et parents éprouvent des difficultés à effectuer le choix nécessaire et utile pour assurer leur avenir. D'où la nécessité de disposer d'un conseiller d'orientation. Cette problématique a été discutée au cours d'une journée de réflexion à Nangaïboko. Charles Melingi Aïe Cyril. À Nangaïboko, dans le département de la Haute-Sanaga, l'éducation des élèves n'est pas un long fleuve tranquille. À la maison, nous avons nos parents qui nous coincent parfois. Aller au champ, non, vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est une journée qui vous a même dit que vous avez classe. Donc on a ces difficultés-là. Et aussi, dans la ville, le problème de l'énergie électrique. L'énergie électrique, ça ne nous permet pas de réviser. Ça ne nous permet pas d'atteindre ce que nous voulons. Selon des spécialistes, qu'il s'agisse des élèves ou des parents, la nécessité d'avoir un conseiller d'orientation s'impose. Les adultes aussi, les anciens, comme allez voir les conseils, vous voyez, le monde est un monde à problème. La plupart des gens maintenant vous entendez AVC. Donc on vit le stress au quotidien. Le conseil est là, il y a des tests pour détecter votre degré de stress en réalité, pour vous empêcher donc vous aussi de sombrer. Parce que pour la plupart, nous qui sommes éducateurs, parfois, les problèmes qu'on a eu à la maison, on vient de verser ça sur les élèves en classe. Et on se dit que les élèves ne travaillent pas. Donc le conseil également là pour les éducateurs, les parents, tous ceux qui veulent des conseils. Une journée d'orientation à laquelle ont pris part divers établissements scolaires de la Haute-Sanaga a été organisée dans la ville de Nangaïboko. Occasion pour les autorités de rappeler que le développement du Cameroun
passe avant tout par une bonne formation de ses citoyens. Pour développer le Cameroun, on a besoin de gens bien formés. Et ces gens bien formés sortent des écoles. Et ces écoles, la prise en main donc des conseillers d'orientation va permettre que nous n'ayons plus des enfants mal formés. Et cette formation est intégrale. Elle passe par une formation théorique, mais elle passe aussi par l'intégration de valeurs sociales. Endossant le costume d'enseignant pour la circonstance, le substitut du procureur près les tribunaux de Nangaéboko, dans sa leçon, met en garde les élèves qui s'illustrent par des actes de vandalisme sur leurs camarades ou leurs enseignants. Sachez que lorsque vous allez attenter à l'intégrité physique de votre camarade, de votre enseignant, ou bien lorsque l'enseignant va attenter à l'intégrité physique de son élève en le blessant ou en ôtant à sa vie, qu'il sache donc qu'il sera poursuivi par la loi. Des activités périscolaires et la remise des fournitures aux élèves ont clôturé cette journée d'orientation scolaire à Nangaéboko. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Viewers, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with this story from the northwest region of Cameroon. The family of the recently murdered Florence Ayafo are requesting for justice for their mother and a sister. The family say they want nothing but justice. The message was channeled through the Northwest Regional Governor Adolphe Lele-Lafrique, who recently visited the family and handed over an envelope of the government of Cameroon to the family. Hemine Luga tells us more. 1 million is the envelope affirmed by the family of late Ayafo Florence to have received from the governor of the Northwest region, Adolphe Lele-Lafrique. But 1 million will definitely not resurrect the deceased. Malo Kelly Asongo has made it clear to authorities. The family requests justice for the brutal act of killing. After being brutally murdered in Pinyin, a village in Santa Subdivision, Mesam Division of the Northwest Region, some weeks ago the family is determined justice must reign. Her death has caused so many damage to us, her children and all this stuff. So I actually want to thank the head of state for what he did, and I just want justice for her death. Now that's what I want, and the only way we can make her happy and my sister to be successful. Visited by the governor of the region, Adolphe Lele-Lafrique, who represented the head of state, he channeled a message of sympathy to the family while handing an envelope of 1 million CFA francs. He also assured the family that the government is not asleep. I came just here today to extend the deep concern of the entire nation and foremost one of the head of state after the brutal murder of my mother by the terrorist. He asked me to convey to you his concern that the nation will stand by you as far as possible to support you in your endeavors and to raise your morale, because what happened that circulated in social media is unbearable. On behalf of the government of the Republic, we condemn it strongly. And the investigations are ongoing to uncover those that have done that devilish act. So the head of state just asked me to hand just a token to you to support you. With the perpetrator still on the run, Governor Adolphe Lele-Lafrique has then assured the family of the deceased that the government remains focused on laying hands on those who committed the inhumane act. We stay in the northwest region of Cameroon, where the insecurity plaguing the region as well as that of the southwest region of Cameroon hardly or largely affected the installation ceremony of the new senior division officer for Ngoki Tunja Indob. The new chief administrative officer of Ngoki Tunja division was commissioned into office by Governor Adolphe Lele-Lafrique in a ceremony largely avoided that took place in the absence of sons and daughters of the Ngoki Tunja division, with turnout described as
as timid by our reporter Immaculate Fogwe. This is one of the effects of the ongoing Anglophone crisis rocking the two English-speaking regions of Cameroon. We are at the Ndap Ceremonial Ground in Gokitunja Division, northwest region of the country. Just a handful of persons have turned out to witness the installation ceremony of the Senior Divisional Officer of Gokitunja, Quinton Henderson Konge. The mayor of the Ndap Council, Bombo Abel, believes that the just-ended major national dialogue is a way forward of addressing the problems of the two English-speaking regions. The inhabitants of this division are outside, suffering in other places due to this crisis. The dialogue has come. The dialogue has made proposals that power shall be dissolved and economic power shall be dissolved within the councils to manage their own affairs. We are here to ensure that the projects that we raise from every village for the 160,000 people of this municipality, or 225,000 people including Babisi and Balakumba, we will be continue to develop. Serious gunshots had been reported in the area, reason behind the poor turnout of the population. The road leading to Gokitunja was recently blocked by separatist fighters as a means of preventing the installation ceremony from holding. A similar poor turnout was recorded in Kumbu, Bui Divisional Chief Town, in a similar ceremony to commission into office Larry Lanyu Ngwadi as the new Chief Administrative Officer of the Bui Division. He was commissioned by Adolphe Lelela Frick, and who qualified the new SDO as not only being a son of the Bui Division, but someone who has the ability to bring back peace to the Bui Division. More in the following report. This is the installation ceremony of the new senior divisional officer for Bui at Tobin, the ceremonial ground in Kumbu, Bui Divisional Chief Town. The very famous Kumbu grandstand is half filled by Governor Adolphe Lelela Frick of the Northwest Region and his entourage, who are here to commission a son of the Bui Division, Harry Lanyu Ngwani, as chief administrator of the historically hardworking and peace-loving Bui Division, now paralyzed by the Anglophone crisis. And he has many tools at hand to succeed in that mission. He's not only a son of the soil, but he's coming here at the heels of the major dialogue convened by the head of state in Yaoundé, whose main resolution was to reconstruct, rebuild, reconcile, and harness the riches of this division through a special plan that has been decided during that meeting, besides giving to Northwest and Southwest region a special status in keeping with our constitution. He's therefore the chosen person of the head of state to fulfill and conduct the Bui Division in high heart in the future. Speaking to a Bui population visibly absent from his installation, the senior divisional officer called for reconciliation, highlighting that for 3 years, Bui has wasted its time, human and material resources. As far as I'm concerned, it is not a promotion as such. It is a call to carry out a very delicate mission, that of engaging the reconstruction process of this very beautiful division, which has to start through reconciliation. And my greatest wish and hope is that I should be able to receive the necessary support from the population, the traditional authorities, the political authorities, the elite, and the common man to be able to carry out this exercise. Because as far as my hierarchy is concerned, I'm sure that they're going to give me the support I need. And if I have one message to pass to the people of Bui Division today on this maiden opportunity, is to tell them that for 3 years we have been wasting our time, wasting our lives, and we don't deserve that.
every family, every home, every country has problems. But in solving our problems, we must remember that we have to render account to God someday. And it is on this note that I am hoping that with this new beginning, we are going to stop the brutal killings, we are going to stop the self-inflicted pain, and begin to do the things that we are noted for doing, that is the peace-loving people, the God-fearing people, the hard-working people, and the people who are prone to doing great things, not only for their division, but also for this great nation, and why not for the world at large. Harry Lanyungwani has a huge task of combating insecurity and make Bui safe again. He took over from Mo Emil, who moves to the Mezam Division, still in the northwest region of Cameroon, in the same capacity. From the Bui Divisional Chief Tuan Kumbu, Governor Adovlele Lafrika of the Northwest and his entourage continue to Donga Mantung, precisely making a stopover in Nkambe, chief town of the Donga Mantung Division. Here, the governor met a population that he used as an occasion to extend some of the resolutions key out of the major national dialogue in Yaoundé. Adovlele Lafrika said the Northwest and Southwest regions were equally recognized or specially recognized out of the major national dialogue, and the resolutions will be implemented as soon as possible so the people can feel the effect at the grassroots level. Listen to the governor in the following excerpt in Kambe. Some of those provisions have been given an answer by the regional delegate. Since all of them were not here with me today, I'm going along with those preoccupations that are going soon to be addressed by the authority that be in Bamenda. But I would like to remind here that during the works of the major dialogue, all those issues were discussed in the various committees and the resolution were arrived at, and a plan of action to rebuild the Northwest region and the Southwest region has been drawn. A plan to reconcile the population in between them and their authorities, traditional ones, administrative one, religious one, has been drawn that are going to be implemented in the region of the Northwest region, starting from the grassroots level, because the desired peace, the needed peace, will not come from the sky to our families, to our communities. We have to work hard to bring back long-lasting peace in our various communities. Adovlele Lafrika, governor of the Northwest region of Cameroon, speaking in Kambe, chief town of the Donga Mantung Division of the same region. And we come back to the littoral region, precisely to the regional chief town Douala, where incubators of projects say financial constraint is their major hindering block or a stumbling block as far as attaining maturity is concerned. They say they only need financial support from the government of Cameroon to be able to realize their dreams. It was a matter of urgency to encounter these young project incubators who have been wishing for government support to attain maturity. Several factors have been hindering the growth of these incubators, notably financial difficulties to acquire equipment to transform their produce to quality finished goods. Visiting some incubators in Douala, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts, Ashiru Basilikeng, stressed it was imperative to adhere to the support initiative, which dates 2010. And we believe that coming here, Bukavu is a wonderful initiative. It's a private incubator, and we believe from the Cameroon Tech that is mounted here, we see that there are clearly opportunities, and we believe that be it in the area of non-financial services or financial services, we are putting in place an ecosystem today which is going to provide specific responses to our young entrepreneurs. An initiative also supported by the French Agency for Development. With the support of the French Agency for Development, there are some initiatives that are in the pipeline
pipeline, and we believe that this will contribute to enhancing our responses to our youth. The sum of about 1.6 billion francs CFA has been put at the disposal of over 10 incubators to enable them move a step forward. Il est prévu que nous recevons une subvention de l'État d'ordre de, je pense, de 7 à 10 millions par personne. The support teams have encouraged the young Cameroonians to keep working hard, not only for their individual benefits, but also to enhance sustainable development. And in the neighboring southwest region of Cameroon, women have been advised to group themselves into cooperatives for a better farming and equally better output as far as farming is concerned. The advice came from southwest regional delegates of women's empowerment and the family during the 2019 edition of the Day of the Rural Woman, commemorated at the level of Tiko subdivision for the southwest region of Cameroon. Derek Jato fight in the following report from Boya. They are being considered as the backbone of every nation, but yet abandoned. They are the one in charge of production, and they have limited facilities to enhance their output. These rural women say they know who they are and they know their value. And as the rural women of the southwest region converge on Tiko subdivision to commemorate the 2019 edition of their day, emphasis were laid on how to improve and standardize good farming method for food sufficiency. Madam Berry Eto, Southwest Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, also handed some farm input to these farmers. We know what they are doing. Most of them are involved in agricultural production. And if you look at their living condition, it's very poor. So we have brought a message for them to work as cooperatives. Talk of war, exhibition of farm produce, and training on best farming practices were some of the highlights here at the conference hall of the Tiko Council. The 2019 Rural Women's Day was celebrated under the theme Women Living in Rural Milieu and the Sustainable Management of Productive Resources. And it is with that report from the Southwest region of Cameroon that we end this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. I'm wishing you a blessed stay, accompanied on programs on Equinox Television. Nadine Yango, have a nice evening. Merci pour Miam Sron Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.